Qui succédera à Victoria Anchkra, Miss Mathématiques 2023? Les lycées Sainte-Marie de Cocody et Mamie Adjoa de Yamsokro ont été le théâtre de la 18e édition du concours Miss Mathématiques. Nous avons dit qu'il faut faire une sorte d'apartheid, de discrimination positive en faveur des jeunes filles. Pourquoi ce concours a été initié en 2000 pour éviter que les filles désertent les classes scientifiques et s'occupe un peu plus de mathématiques. Une édition qui a connu un certain succès auprès des élèves. Près de 900 candidatures ont en effet été enregistrées dans les deux établissements, soit 400 de plus par rapport à l'édition précédente. C'est vrai que le concours Miss Mathématiques est une évaluation, est un concours, mais au-delà du concours, c'est une scène d'émulation, encourager ceux qui performent, et également booster également, encourager également ceux qui ne performent pas, pour qu'ensemble, on est dans l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire, la réussite, la performance pour le plus grand nombre des élèves filles. Initié par la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire, le concours est également accessible aux jeunes filles en classe de 3e, âgées de moins de 16 ans et ayant obtenu au moins 14 de moyenne en classe lors des deux premiers trimestres. Déjà, quand on gagne Miss Mathématiques, il y a déjà une grande émotion de gratitude envers les parents, tous ceux qui nous ont accompagnés, tout le corps enseignant. Il y a aussi beaucoup de fierté à son endroit et nous gagnons beaucoup de confiance en nous, beaucoup d'honneur à travers tout l'honneur que le pays nous sert. Créée en 1977, la Société de mathématiques de Côte d'Ivoire a lancé l'élection de Miss Mathématiques en 2000, le tout dans le but de casser les préjugés autour des filières scientifiques auprès des jeunes filles.